vidéo spéciale Nettoie avec moi et décoration de Noël. La première chose que je vais faire, c'est que je vais retirer les décorations du quotidien sur le meuble TV et je vais donc faire la poussière complètement sur tout le meuble avant d'installer la décoration pour les fêtes de fin d'année. Voilà, je prends ce petit, ce petit Swiffer entre guillemets que j'ai acheté chez Zeman. Et franchement, il est juste topissime, il est très léger, il est fonctionnel, il est très long et il passe un peu partout et il est lavable. Donc ça, c'est une bonne chose car du coup, on retire juste le truc, voilà, le plunge-tour, l'éponge, on la lave et puis on le remet. Mais franchement, il est juste nickel, il passe dans toutes les surfaces. Partout. Alors non, je ne suis pas folle, je ne parle pas toute seule, je parle à mes enfants, donc surtout à Angie. Donc voilà. Du coup, quand j'ai passé un bon coup de Swiffer sur tout le meuble, je vais commencer à installer la décoration de Noël. Je vais commencer par la crèche. Donc désolé, je n'ai pas filmé quand je pose la crèche parce que c'est un acte, enfin c'est quelque chose de catholique, chacun sa religion, chacun ses croyances, donc je n'ai pas donné d'explication, mais voilà, chez nous, on met une crèche. Donc je n'ai pas trop filmé, mais voilà, la crèche est placée. Ensuite, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous l'aurez déjà vu, ce petit décor-là. C'est le décor que j'ai acheté l'année dernière pour décorer la fenêtre. Sauf que comme on a mis des brise-vues, évidemment, cette année-ci, je n'ai plus décoré la fenêtre. Là, vous avez mis sur le petit loulou, le petit Sandrino. Il est trop, trop beau, mon chouchou. Et donc, du coup, là, je lui montrais un Père Noël. Alors, rassurez-vous, il ne me casse pas. Il a fini par terre, d'ailleurs, et il n'est pas du tout cassé. Et là, je vais m'attaquer à faire les poussières sur la table en verre. Alors, là, je fais les poussières avec le plumeau de chez Zeman. Mais quand il y a vraiment trop de doigts, je fais tout simplement avec du produit à vitre. Donc, voilà. Ensuite, sur le regard du chat et d'Alessandro et d'Angie, je vais installer la décoration sur la table en verre. Vous la verrez à la fin de la vidéo. Et ce sont uniquement des choses qui ne cassent pas, puisque vous l'aurez compris, bébé oblige, on n'a rien mis qui casse. Ensuite, j'étais un petit peu perdue pour la décoration au niveau du haut du meuble. Donc vous allez voir que le gros Marguerite va intervenir parce que voilà, j'avais pas trop d'idées. J'étais un peu perdue avec mes maisonnettes et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc il va intervenir pour me donner un petit coup de main. Donc vous allez avoir la chance et l'honneur, et il le sait, il est au courant, de voir le grand barbu en pleine action.
Et vous avez la chance et l'honneur de voir Alessandro qui va vous faire un petit coucou. Voilà, il regarde la caméra, il vous fait un grand sourire et un petit coucou. Ça fait longtemps que vous ne l'avez plus vu, donc voilà, je vous le montre. Il est trop beau le bébé. Et donc là, nous avons droit évidemment à l'intervention de Roborock 2022. Il n'est pas encore marqué, mais bientôt il m'a dit qu'il allait le mettre et l'inscrire sur son beau t-shirt blanc. Donc c'est parti! Alors oui, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on regarde à l'intérieur, à l'extérieur de la maison et qu'on est mort éclaté de rire, c'est que notre voisin faisait une petite grimace à la fenêtre, donc on lui a fait signe, on n'en pouvait plus de notre vie parce qu'il a vraiment fait une petite grimace, je ne dirais pas quoi, voilà, ça ne se lit pas, mais là on n'en pouvait plus, c'était, voilà, notre voisin était un petit comique. Alors là, on continue par l'installation via mon Roborock 2022. Donc voilà, on va placer le petit village de Noël, on va placer le train, la roue, etc. Voilà, mon chéri a une idée là, exceptionnelle, vous l'avez vu. Voilà. Il va tout déplacer et on va avoir un effet assez beau à la fin. Et comme vous le voyez là, vous avez Barba Papa qui passe en même temps à la télé pour les petits. Et donc voilà, on est sur une finition qui n'est pas, pas mal. J'ai évidemment, et vous allez le voir après, fait l'appui de fenêtre, la fenêtre et le sol. Donc pour l'appui de fenêtre, et j'utilise du spray tout simple de chez Lidl. Et pour les fenêtres, j'ai simplement pris une microfibre et j'ai pris du produit à vitre de chez Lidl. Donc voilà ce que ça donne à peu près quand j'ai terminé avec le grand Roborock. La décoration ici, il me reste je pense encore une chose à placer, donc je vous laisse avec les images.
Donc voilà, pour finaliser la décoration, on a mis deux choses pour l'instant dans le filet. Il y aura sûrement des petites rajouts qui vont se faire au moment où je mettrai le sapin. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo en trois parties. Il y a d'abord le salon, puis la salle à manger, et puis vous aurez en finalité le sapin qui se trouvera évidemment dans le salon et qui complétera la décoration. Donc je rajouterai sûrement des petites choses sur la couche au niveau du filet de pêche. Et voilà comment se termine la vidéo avec Roborock 2022 qui évidemment va brosser tout le sol pour retirer les paillettes, etc. Parce que l'air de rien, ça fait vite des petites crasses. Et comme je vous l'ai dit, on a un bébé qui trottine un peu partout. Donc voilà pour cette vidéo de Noël. Je vous laisse avec évidemment toute la déco qui va arriver à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, tout va se noter. Et nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.